Bonjour la famille. Oh, il fait un peu tard, mais je serai là pour vous quand même. Ça fait longtemps que je ne suis pas vraiment en live avec vous, mais spirituellement, moralement, je suis avec vous. Nous avons perdu une grande personnalité dans notre pays, dans notre communauté congolaise. Cher Mamou National nous a quittés, tout le monde le sait. Son mari est en train de saigner d'avoir perdu son épouse. C'est le monsieur qui était là chaque jour avec sa femme. À l'hôpital, c'est le monsieur qui était là. À la maison, c'est lui qui s'est soucié de la suivi de sa femme à l'hôpital. En aucun cas, on a vu les gens qui faisaient des interviews, soi-disant les membres des familles, en train de relater à la communauté la situation médicale de la maman Tchalamwana. Personne ne nous a fait. Quand Kamukolo Akufi, les jours où elle est morte, c'est les jours où on a vu toutes les femmes, soi-disant familles de Tchalamwana, sortir sur les réseaux sociaux, commencer à insulter un monsieur qui a besoin d'être supporté mentalement, moralement, à cause des décès de sa femme. Mais nous, les Congolais, je ne sais pas si c'est ça être bantou. Nous avons toujours dit on est des bantous, on est des bantous. Bissot, bissot. Mais la réalité est qu'on a perdu le sens de l'humanisme. Une personne qui vient de mourir, il est encore dans les morgues. Une seule, deuxième jour aujourd'hui, deuxième journée. Mais il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Il y a Batouaza, oh, elle était locataire. Si elle était locataire, où est ton problème? Est-ce que c'est tout le monde qui achète une maison? Est-ce que toi-même tu as une maison? Oh, as un musicien, il faut aller dans la place. Qui t'a dit que tu es obligé d'avoir une maison? Est-ce que si elle a une. Si, il y a un bateau, il y a un locataire, mais il y a un peu. Ce qui te l'a dit bien. Son mari, Tchalamwana vivait avec son mari dans sa propre maison. Mais ils avaient aussi comme une résidence, il y a location à Bango. Mais si Kabino Bokomi ko soit ko tia makambo makelele makelele botika ko yoka biloba lo baya baya soit disant bayer wana lelonda ko bimisa ba audio. Ba audio zalaki ba depuis le soki ba il y a plus de 5 6 mois. Mais est-ce que c'est le moment ya ko sala ba biloko wana? Nano makambo ekomeli bino te bino bato boza kobimisa biloko ya bwen ya salite mpona kolukisa ba vie. Nano ekomeli bino te papa oyo azala mutu bien, azala mutu mabe. Ce qui est sûr, aza ko souffrir, ko zala ko ko perdre mwasi. Passer 10 ans avec quelqu'un na ndaku, 10 ans yebisanga 10 ans bozolala na mutu chaque jour, mutu wana akufi, et puis bozokanisa ke papa wana aza a bon te, aza bien. C'est un monsieur qui souffre. Azan a posa ya soutien na bino moral. Azan a posa ya soutien nini, nini soutien moral, soutien na bino. Ezala ta pe physique et pe koza la ta finance. Il faut ezala puisque batu ba koya kota la yena ndako. Eza ba dépasse déjà ekoti. Encore biso na Congo na matanga ndesika tomona laka place ya kobika. Le monsieur là n'a pas besoin ya ba critique. Mutuana azana pose ya bilobela te na ba famille ya mwana mwasi ya mama chala mwana. Il faut qu'on se retenir à un moment donné. Il faut savoir qu'on gérer langage na bino, qu'on tourner langue na bino va koloba bilobela. Boza ta musuna emotion ata mon côté. Combien de fois boleka na télé kopé sa biso ba congolais ba africain suivi médico ya mama chala mwana. C'est une femme qui souffrait. Elle était déjà malade, mais personne, entre nous, je peux parier, personne n'est allé même visiter la dame là à l'hôpital. Nani entre nous dans la famille, à Tchalamwana, tout le monde a dit qu'il n'y a pas la couleur à l'hôpital. Et ça, quand papa, oh, ce qui Claude Machala, c'est la seule personne autre que moi, a dit qu'il n'y a pas l'hôpital, puisque c'est sa femme, a dit qu'il n'y a sa propre croix, parce que c'est sa femme, a dit qu'il objectif, quand il n'y a pas tenir le coup. Mais tellement que les Congolais ne comprennent pas, ils sont des cons, olé. Les Congolais ne comprennent pas que la vie est une chose mystérieuse. Et ça, ils ont à protéger, c'est des mystères.
eloko nyoso bokomi kosalela yango bezi na mama oyo se na biso oyo soki barbara kanam ake ko visiter ko reconforter mowe ake ko conforter famille ya mutu batu babungisi mutu e comme si j'ai critique batu comme ko balata ki ndenge est-ce que la biema o alata ki na nzoto na eza moi si amukete nzoto na ye soki alati robe e la kisi nzoto ou est le problème bino bolata ka bilamba ya bongote ona matanga te bongo balata ka bilamba wapi ezaki eloko ifalaki alata alati soki bino bomoni yango mabe il faut savoir ko se contenir essentiel otoza komona ele venir réconforter monsieur Claude c'est ce qui est important mais tellement que congolais est moins intelligent congolais il aime toujours des bassesses makambu ya bizarre nde bozubandi ko lakisa boz komi ko sale lango pe ba émission pendant que bino ko nde boza ko leka na télé soit disant que boti ko pe bozo bo perdre une dame bo perdre héros national bo perdre légende mais est-ce que soki o perdre pena mutoza ko benga mama national mama oza ko benga légende comportement ya ba émission na bino oy est-ce que za ko tenir place beaucoup de congolais sont des bourriques. C'est pour cela que notre pays n'avance pas. Pays n'abuse notre pays. On peut changer, on peut prendre tous les Congolais, on les déverse au Canada. On prend aussi les Canadiens, on les déverse au Congo. Le Canada va retourner en arrière dans 5 ans. Pendant que le Congo va se développer peut-être 100 fois dans 5 ans. Le Congolais, c'est un homme qui détruit tout. Il ne sait même pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il vit seulement pour vivoter. Ils ne savent pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mutuloko la chala mwana, ce que vous avez bien gagné maman nationale. Vous avez moins respect wana kolobaki aza maman. D'abord respect vous à la maman. Une maman, une dame qui est morte. Votre maman, votre congolaise, une femme de Congo. Bino bozo zela, un ivoirien, un camerounais de faire hommage à votre maman nationale pendant que vous êtes là. Au lieu de faire hommage à Maman Tchala Mouana, vous êtes là en train de critiquer son mémoire, en train de déchirer sa mémoire. Est-ce que vous avez comme moi, que vous avez comme ça? Il y a les baba nièces de la dame ici, les nièces de Tchala Mouana. Elles sont passées sur les réseaux sociaux, faire des émissions. Elles ont insulté MG30. Mes chers amis, est-ce que MG30 est obligé à vous appeler? Parmi vous, et monsieur Claude Machala, qui est la personne à qui on peut vraiment avoir des condoléances? Vous êtes des nièces qu'on n'a jamais vues, mais Claude Machala, c'est son mari direct. Et puis vous voulez que MG30 vous appelle. Qu'est-ce que MG a à faire avec vous? MG a à faire avec la personne de Tchala Mouana et son mari. Si MG veut envoyer le message de condoléances, ça sera à monsieur Claude, pas à n'importe qui. Il faut savoir vraiment vous situer dans des situations. Il ne faut pas vous prendre, il ne faut pas vous élever dans les lieux où vous n'êtes, dans les lieux qui ne vous convient pas. Puisque les réseaux sociaux, maman Tchala Mouana ne nous a jamais montré qui que ce soit parmi tous ceux que nous sommes en train de voir ici. Elle a souffert. Les gens qu'on a vus à l'hôpital avec des photos, on a vu où elle sont. On a vu maman, mamie, il est là. On a vu, je ne sais pas, avec d'autres musiciens là. Mais on n'a aucune photo qui a montré que la famille de Tchala Mouana était partie à l'hôpital. Aucune photo. Mais c'est la famille là qui veut vraiment jaser les réseaux sociaux. C'est la famille là qui veut se montrer que c'est elle le propriétaire du corps. On sait, depuis les gens, la façon dont les gens pleurent sur les réseaux sociaux, la famille de Tchala Mouana est derrière les affaires, les biens de Tchala Mouana. C'est tout ce qui est derrière vous. Quelqu'un va pleurer, vous insultez la personne de Claude, l'appelait Ejigolo, une personne qui a vécu dans la maison pendant 10 ans avec une femme, vous l'appelez Gigolo. Mais pendant que Maman Tchala Mouana était vivante, pendant que Maman Tchala Mouana était là, il n'y a personne qui avait appelé le monsieur là Gigolo. Il faut savoir respecter les gens. Il faut savoir respecter les gens. Il ne faut pas pleurer ici et puis demain, vous allez commencer à dire c'était sous émotion. Ce n'est pas l'émotion puisque vous ne souffrez même pas plus que monsieur Claude. C'est lui qui souffre plus. Vous l'insultez. Donc, monsieur Claude a perdu sa femme.
Et puis, il reçoit les injures de partout, de par-ci, par-là. C'est lui qui souffre plus. Alors, c'est lui qui se contient. Et puis, c'est lui qui se contient plus que même vous, les petits, petits là, qui parvenez sur les réseaux sociaux en tant que membres de famille. Il faut savoir respecter les gens. Je ne connais pas M. Claude. Je l'ai toujours vu sur les réseaux sociaux, puisque ce sont des personnes publiques de notre pays. Il peut avoir des choses négatives dans sa vie. Il peut avoir des choses qui ne marchent pas dans sa vie. Mais il n'est pas parfait. Toi aussi, tu n'es pas parfait. Quand il s'agit de morts, quand il s'agit de plaire, il faut savoir plaire avec les gens. Il faut savoir respecter la morale des gens. Attendez d'abord qu'on puisse enterrer la maman ici. Attendez qu'on puisse enterrer la dame, notre légende, notre maman nationale, qu'on puisse l'enterrer d'abord à paix. Son âme est encore là en train de flyer partout. Attendez d'abord l'enterrement. Même aller jusqu'à 40e jour et puis amener vos bêtises sur les réseaux sociaux. Attendez d'abord qu'on puisse enterrer la maman à paix. Avec respect oyo et sengeli ba kunde nango, attendons d'abord cela avant de faire votre bêtise sur les réseaux sociaux. Puisque c'est l'Afrique qui nous regarde. La dame là, ce n'est pas seulement une dame traditionnelle avec ses musiques. C'est une dame qui a été internationalisée il y a longtemps. C'est une dame qui a pris des photos avec de Thomas Sankara. Qui connaît Thomas Sankara? À ce moment-là, elle était encore jeune, peut-être 18 à 19 ans, mais elle était déjà connue à ce moment-là. C'est une dame qui a connu tous les régimes de notre pays, tous les gouvernements de notre pays, depuis jusqu'à aujourd'hui là. Et vous qui dites que on va voir ce qui va l'enterrer, qui vous a dit qu'on a besoin de votre argent pour enterrer? Tchalamoua. Qu'on le veuille ou pas, elle sera enterrée. Qu'on le veuille ou pas, elle sera enterrée. Vous parlez de n'importe quoi. Même si vous commencez à dire, vous commencez à vous opposer à son enterrement, où est votre Verkis Kiamwangana? N'est-ce pas qu'il est en train de glacer là-bas dans des morgues, plus de 2 mois maintenant, puisque vous cherchez de l'argent. Mais la dame ici, elle a souffert. Elle a souffert. Si aujourd'hui elle est partie, à un moment donné, il faut savoir dire gloire à Dieu, merci. Que tu te reposes à paix, notre chère maman. Repose-toi à paix. L'enterrement, c'est ça vient après. C'est une petite chose, mais son âme est déjà partie. Ça, c'est seulement un corps qui est là. Mes chers amis, on va commencer à dénoncer des choses qui n'ont pas de sens. Je ne comprends pourquoi notre communauté, commençant de la diaspora jusqu'au Congo, nous n'avons pas des influenceurs. À ce que je sache, nous avons seulement un seul influenceur. Et c'est Zach Mwikasa. À part ça, il y a plus de milliers de youtubeurs congolais. Plus de centaines d'influenceurs congolais. Mais tous sont des bourriques. Il n'y a aucune personne qui a un sens, qui a du sens humain. Nous avons des polémiques, des polémiques, des choses qui n'ont pas de sens. Tellement qu'ils ont faim. Ils ont. Nzala. Ce sont des pauvres. Tous ces gens-là sont des pauvres. Quand vous les voyez s'habiller, ce sont des pauvres, ils n'ont pas d'avenir. Yango les vie oyo. Vie oyo, baza ko lukisa na ba réseaux sociaux. Yango boza ko mona baza ko loba n'importe quoi. Pona ko lukisa ba réseaux. Pona ko luka ko lia. Soki YouTube futa kabatu mbongo te. Nde makambo nyo se sale makate. Ezape fote ya YouTube. Kofuta kabatu. Et comme il faut faire un peu de temps, il faut parce que bango ba ebi soki batu batali ba kofuta yo mingi. Mais na réalité ata soki ba futi yo mingi mbongo baza kofuta yo échanger na likambo nini? Est-ce que échanger pauvreté na yo ou bien ozo tia mbongo kana ba désordre kaka mbongo boza kozwa na nzela mabe soki botali bien ezo même pe bino e pa ite ezo ke ne pe pa ite ezo si la kaka bongo bongo. Pourquoi? Parce que besoin comprendre besoin à nini éthique à ta mukete responsabilité au besoin d'ango na réseaux sociaux exacte bo comment na mentalité moko minuscule na communauté
il faut que tu changes, il faut que changer ba makambo ya boy. Mutu akufi pesa e ne fût que respect. Akufa akufa te aza mama. Quand tu vas insulter une maman, une dame mutuaza na age ya mama na yo, une personne de 63 ans. Ce n'est pas un petit, ce n'est pas un gamin, ce n'est pas une gamine. Et peut du respect quand même. Partagez la vidéo, commentez. Je suis avec vous dans la prochaine là. On est toujours là. On ne lâche pas. Bye.